Hello, hello la famille, hello my people. Aujourd'hui, nous sommes le mardi à 9h déjà. Je me dirige à l'école au city. Je voulais vous embarquer avec moi à l'école. Je vous dis que je suis une femme très, très occupée. J'ai repris mes études, mais aussi j'ai continué à travailler comme d'habitude. Mais j'ai vu que peut-être dans 2-3 ans, je vais stopper. Le nettoyage, il faut que j'ai un beau boulot. C'est pour cela que j'ai décidé de retourner à l'école. Et avant d'aller à l'école, mon mari est parti déjà avec les enfants. Je vais vous montrer comment je laisse souvent ma maison. Ce n'est pas du tout propre, mais j'essaie de ranger. Comme vous pouvez voir mon salon. Mon salon est bien rangé. La cuisine aussi. Pas du tout, ça c'est les jaquettes que je vais porter, les sacs que je vais porter. Regardez, il y a un peu de petits désordres. Il y a une bouteille là-bas, vous voyez, je ne l'ai pas trop. Il y a quelque chose là en bas, mais pas du tout grave. Comme ça, ça je vais amener avec moi. Et les enfants ont nettoyé les assiettes hier soir. On n'a pas réussi à ranger même la poubelle. Je laisse ça comme ça. À mon retour, je vais tout organiser. Il y a la nourriture qu'on a préparée hier soir qu'on va manger aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de les ranger au frigo car je suis pressée. Je vais commencer mes études à 10h juste. Et je vais conduire ici jusqu'à ville. Je vais conduire 36 minutes. C'est pour cela que je vais amener une banane avec moi. Je voulais seulement vous embarquer avec moi et vous montrer comment une maman très occupée laisse sa maison. Je vous montre ce que j'amène. Il y a mes stylos ici. Il y a un rouge à lèvres pour mes lèvres. C'est comme un brouillard seulement car parfois mes lèvres sèchent. Mon laptop, il y a mon wallet, il y a aussi mon chargeur, mais aussi, il y a, c'est ce que j'amène. Il y a des petits désordres que je n'ai pas pu enlever comme si, parce que je ne sais pas à quoi ça sert. La maison est propre, pas du tout propre, mais rangée. La maison est rangée, c'est ce que j'ai toujours dit. La maison rangée donne l'impression d'être propre. Vous voyez, il y a des petits trucs hein, ici. Mais il y a des petits trucs. Il y a les lits qui sont faits comme ça, comme vous les voyez. Il y a des petits trucs qui traînent. J'ai fait les toilettes seulement. Vous voyez, ils ont pris leur douche et je n'ai pas pu nettoyer ça ce matin. À mon retour, je vais toucher et passer un coup de chiffon un peu. Yeah, c'est ce qu'il faut, les mamans. Malgré que la maison n'est pas nettoyée, il faut qu'on s'efforce d'éviter des mauvaises odeurs. Ainsi que faire seulement des petits trucs. Mes chers amis, j'étais en train de dire que quand on est très occupé, il ne faut pas laisser l'occasion à te faire fatiguer. C'est-à-dire que laisser beaucoup de choses qui traînent dans la maison et encaisser des saletés. Et aussi, il faut se fixer un limite de temps. Tu te dis, pendant ces limites d'état, par exemple pendant 2 heures, je dois faire ceci ou cela et tu t'organises à le faire. Donc, je peux dire, c'est comme la productivité. Vous voyez, la productivité, c'est la quantité de travail que tu peux faire en une unité d'état. Par exemple, si tu te fixes 2 heures, nous fixons 2 heures, toi et moi, on dit dans 2 heures, je dois faire, par exemple, torchonner la maison, et nettoyer, essuyer les bathrooms, tout faire pour le nettoyage général. Je me fixe, par exemple, 2 heures. Et toi, tu te fixes 2 heures
pour le même travail, hein, vous me comprenez bien, pour le même travail, peut-être on a le même à la maison qui a la même dimension. Peut-être la maison a deux à quatre chambres et des salons par exemple et des toilettes. On se fixe 2 heures, on dit dans 2 heures on va faire le nettoyage général, faire le lit, torchonner la maison, essuyer la cuisine et essuyer les toilettes aussi, faire le lit et organiser tout ce qui a organisé pendant 2 heures. Si moi j'arrive à le faire pendant 2 heures et toi tu arrives à peut-être tu fais le lit, tu torchonnes la maison, tu fais la cuisine, mais tu ne parviens pas à faire les toilettes, je peux dire que ma productivité est grande comparativement à la tienne. C'est pour cela que pour bien être réorganisé, il faut se fixer la productivité. Donc, une limite de temps pour un certain travail. Et pour, sur ce, il faudra arrêter tous les travaux. Ça, c'est notre train station. Je vais attendre le train ici. Je devrais venir très tôt pour que je puisse trouver le parking là à l'école. Mais comme je suis en retard, je ne peux plus trouver de parking, alors je me décide de... J'étais en train de parler à propos de la productivité, même dans nos travaux ménagers, nous devons être à mesure de se fixer un certain travail en une unité d'état, et sur ce, ça sera mieux d'éviter tous les travaux qui te font perdre l'état inutilement. Par exemple, tu peux avoir la maison à nettoyer ou à organiser, mais au lieu de faire les travaux ménagers qui t'attendent, tu es sur peut-être TikTok, en train de suivre des lives des autres, ou sur Facebook, sur social media, sur WhatsApp, regarder par exemple des films de Nigeria ou n'importe quel film. Mais je ne dis pas que suivre des lives sur les social media c'est mauvais, mais le fait quand tu as déjà terminé ce que tu as à faire. Par exemple, tu es déjà rentré au travail, tu as déjà une maison qui est bien organisée, peut-être tu as préparé la nourriture pour tes enfants, tu as organisé les habits, tu as tout fait ce que tu devrais faire. Je suis déjà arrivée, je viens d'arriver dans notre city et me voici. Car je m'étais décidé de prendre les traits au lieu de conduire, car les parkings étaient déjà full à l'école, alors j'étais partie dans les trains. Et j'ai parqué quelque part, et puis au milieu, le milieu de la route. Et aussi mes mamans, par exemple, il y a des femmes, tu peux venir chez moi, peut-être tu es mon amie, tu viens chez moi, tu t'assois là-bas, peut-être je peux te donner quelque chose à manger, ou je ne te donne pas, mais on va commencer à causer. En causant, moi je suis en train de faire mes travaux ménagers, peut-être je suis en train de préparer, je suis en train de nettoyer ma maison, mais toi tu restes chez moi. En sachant que ta maison n'est pas organisée, ta maison n'est pas rangée, tu n'as pas encore fait ceci ou cela, ça, tu te fais perdre l'état. Même si me visiter n'est pas mauvais, mais il faut que tout ce qu'on fait en tant que maman, on puisse le faire en ordre, car ça nous permettra de gagner du temps et ça nous permettra de faire beaucoup de choses et notre maison restera en ordre malgré qu'on a des petits-enfants. La grande difficulté qu'on a en tant que maman quand on a encore des enfants de bas âge, c'est le nettoyage qui ne termine jamais. Le nettoyage qui ne finit jamais. Tu nettoies hier et tu nettoies aujourd'hui, tu nettoieras demain. Et le cycle continue. Car on a encore des enfants qui n'ont pas encore la conscience de ce qu'il faut.
Tu peux nettoyer les toilettes, mais quand ils vont uriner, surtout les garçons, les urines vont déborder. Même si tu as nettoyé hier et demain, tu seras obligé de passer un coup de chiffon car les urines, sinon les urines vont amener des mauvaises odeurs dans la maison. Même si tu as fait les lits, tu peux te souvenir, j'ai déjà fait les lits où les enfants ont fait les lits, car c'est mon cas. Hein. Parfois, les enfants font les lits de leur manière, mais je me souviens, non, aujourd'hui, je dois changer les draps. Même s'ils ont fait ça, moi, je dois les changer nécessairement. Même si tu as fait les lits les matins, mais tu te réalises que tu ne peux pas dormir avec ces draps. Tu peux changer même pendant la nuit. Et car moi, j'ai souvent dit, je n'ai pas le temps exact de faire les ménages. Moi, je fais les ménages à n'importe quelle heure. C'est en Afrique qu'on avait l'habitude de faire les ménages très tôt le matin, vers 10 heures, tout est presque. Par exemple, je me réveille à 6 heures, aller puiser de l'eau, et après, je vais torchonner ma maison, balayer toute la cour, les parcelles, et puis je vais me diriger au marché pour chercher ce qu'on va manger et lessiver les habits à la main. Et je le faisais chaque jour, même les dimanches, moi, je lessivais les habits. Ouais. Mais vous allez. À venir dans ces pays, on fait les ménages à n'importe quelle heure, ça dépend du temps qu'on a. Car parfois tu peux les faire le matin, parfois tu peux les faire le soir, parfois on les fait même. Parfois moi je fais les ménages même à 15 heures. Je peux me réveiller fatiguée, mais quand je reprends mon énergie vers 15 heures, 16 heures, je fais les ménages. Parfois, je le faisais bien avant, pendant la nuit, pour que le matin je puisse me réveiller tranquillement. Mais comme je me sens fatiguée chaque soir, je laisse tout comme ça. Le matin, je vais me réveiller faire. Il faudra avoir cette habitude de toucher quelque chose dans votre maison.
Le nettoyage, c'était les mercredis, les matins, très tôt les matins. Je m'étais réveillée très tôt les matins, car les mardis, je vous ai montré que la maison était rangée, mais elle était sale. J'ai voulu faire des nettoyages rapides. Parfois, j'ai comme ça, je suis comme ça. Je me décide de faire les nettoyages rapides, mais je vais réaliser, il y a ce qui nécessite le nettoyage à fond. Mais ce que j'ai fait rapidement, j'ai nettoyé la cuisine rapidement, j'ai fait un coup de chiffon dans les frigos, les nettoyages de presque chaque jour, car on a les enfants, les empreintes digitales à l'intérieur comme à l'extérieur du frigo. Ne manque jamais, j'ai passé les nettoyages, les coups de chiffon rapidement, car peut-être les nettoyages à fond du frigo, je les fais des fois, une fois les 2 semaines. Je vais nettoyer les assiettes qui ne devraient pas aller dans la vaisselle à la main et les bocaux là, les bouteilles là, les carafes que j'utilise pour mettre du jus ou les laits dans le frigo, je les ai aussi nettoyés. J'ai nettoyé les casseroles, les restes des assiettes, des verres sont dans la machine déjà. Je vais essuyer aussi les tables, la table à manger. Je vais changer une vigne. Même la nappe c'était là, il y avait la nappe grise. La nappe grise, je vais changer avec une nappe blanche. Puis, je vais nettoyer aussi les fauteuils noirs. Hors caméra, je vais préparer les enfants pour aller à l'école. Hors caméra, je vais les déposer à l'école. Hors caméra, et en revenant de l'école, je vais faire les douches et les toilettes hors caméra. Puis, je vais commencer les études. Après 15 heures, quand je vais partir, après la récupération des enfants à l'école, je vais nettoyer leurs douches ainsi que. Mais torche, ah non, non, j'avais nettoyé avant d'aller les prendre à l'école. J'ai fait leur douche et j'ai torchonné aussi la maison. Puis j'avais changé la décoration tout en restant dans ma couleur noir, blanc, gris. J'avais changé les coussins car les coussins qui étaient sales. Aujourd'hui, j'ai changé tous les coussins. Depuis que j'avais fait le DIY des coussins, il y avait les mêmes coussins de l'autre côté. Alors, je m'étais décidé de les changer aujourd'hui avec d'autres coussins. Et je pense que ça sera la fin de la vidéo. Car aujourd'hui, j'ai seulement un travail de nettoyage, un bureau dans la ville. Après, vers 16 h, je dois me diriger aussi en ville encore une fois pour faire le nettoyage de ces bureaux. Après l'école, après, je vais rentrer ici à partir, je quitte 16 h, j'arrive là à 17 h, à 17 h moins, je commence le nettoyage, je termine, je fais 1 h à 1 h 30 dans les bureaux, ça dépend du niveau de la saleté. Et je vais rentrer ici à partir de. J'étais arrivée chez moi à 18 h 30. À 18 h 30, j'ai fait les food delivery de 18 h 30 jusqu'à 20 h. À 20 h, j'étais rentrée à la maison car mon mari devrait faire des night shifts aujourd'hui. Et j'ai donné les enfants à manger, j'ai lavé ce qu'il y avait à laver et ils se sont endormis. J'ai commencé les montages de la vidéo, de cette vidéo. Après le montage de la vidéo, je vais continuer avec mon assessment et ça sera la fin de notre vidéo. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai voulu vous partager comment est-ce que, malgré que je suis occupée, mais je m'efforce de réaliser tout ce que j'ai programmé. Cette habitude-là, c'est mon mari qui me l'avait inculqué, car mon mari, c'est une personne qui dit, ce que tu as à faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Si tu as planifié de faire quelque chose aujourd'hui, rassure-toi que tu le fais aujourd'hui. Si tu as planifié de faire quelque chose maintenant, sauf au cas d'imprévu, de force majeure, mais si tu as de la force, rassure-toi que tu le fais maintenant. Et j'ai appris cette habitude et
Ça me tracassait deux à trois ans après le mariage, mais après, je m'étais habituée. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait très bien par rapport à lui. Lui qui me disait, ce que tu as à faire aujourd'hui, ne fais pas demain. Parfois, il fait le contraire, mais moi, je m'efforce à réaliser, à faire tout ce que j'ai planifié. Et c'est ça, la vie c'est comme ça. Et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Et que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Ne faut pas oublier de s'abonner massivement sur notre chaîne. Aimez, likez, partagez nos vidéos avec les autres. Et on se revoit prochainement. Bye bye.
ça, c'est le résultat de notre nettoyage. La maison reprend sa forme. Encore une fois, tout est propre et je suis très, très, très contente. J'aime quand ma maison est comme ça, la maison sent bien, il n'y a pas de saleté par-ci, par-là. En tout cas, j'aimais ça très, très bien dans mon assiette. Et sur ce, je vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne et que le bon Dieu vous bénisse. Bye!